Eh bien, salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo du jeu arcade Lara Croft. Je suis en compagnie d'Appleseed 10, ici présent. Salut! Alors, je vais de ce pas lancer une partie et en même temps vous expliquer en privé. Je vais t'inviter. Alors, hop, invité, voilà. Donc, jeu développé par Crystal Dynamics, édité par Square Enix Europe. Un jeu basé sur l'action et aventure, comme tous les Lara Croft. Tu peux choisir ton perso, je pense. Ouais, je vais choisir. Ouais, tout est qu'il a l'air d'être bien. Prends celui-là. Ah non, on peut pas prendre les mêmes. Bon, c'est logique. On découvre le jeu en même temps que vous. Et petite chose importante à savoir, le jeu est gratuit du 16 au 31 sur le Xbox Live Gold, n'hésitez pas, hein. C'est un très bon jeu à la base, il coûte 1600 points Microsoft, faites-vous plaisir. On va pas parler pendant les cinématiques. Bah bon, j'ai mis les sous-titres, on sait jamais hein, si vous entendez mal. Donc on va vous laisser découvrir ces cinématiques. D'après les légendes aztèques, la région qu'on appelle le Yucatan serait un ancien champ de bataille où les fidèles de Totec, le gardien de la lumière, livrèrent une guerre sans merci contre les forces démoniaques de Zoloth, le gardien des ténèbres. Il est écrit que Zoloth invoqua la puissance d'un ancien artefact, le miroir de fumée, pour faire apparaître à ses côtés une horde de monstres tout droit sortis des abysses. Les guerriers de Totec furent massacrés lors du combat qui s'ensuivit, mais Totec réussit à survivre. Il trouva un moyen de retourner la puissance du miroir contre le dieu maléfique. Zoloth y fut ainsi emprisonné, et les descendants de Totec bâtirent ensuite un puissant empire qui survécut jusqu'à l'arrivée des conquistadors. Quant au destin de ce miroir de fumée, les textes anciens restent assez vagues. Il aurait été caché dans un endroit secret. Le miroir serait perdu pour toujours. Mais s'il y a bien une leçon que j'ai retenue, c'est que tout finit toujours par se retrouver. Le voilà. Après des semaines d'exploration dans la dangereuse jungle d'Amérique centrale, j'ai enfin retrouvé le miroir de fumée. Il ne paye pas de mine, mais voilà une autre de mes leçons. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Une leçon que ces types aussi ont retenue. Voici Vasco, le seigneur de guerre local. Ça fait des années qu'il cherche le miroir, sans succès. Mais je n'étais pas là pour l'aider. Vasco n'est sûrement pas un grand lecteur. Il n'a pas l'air d'avoir entendu parler de la malédiction. Ou alors, il n'y croit pas. Montre-toi! Ah, tu n'es pas digne, Totec. Aurais-tu déjà oublié notre dernier combat, Zoloth? Un nouveau jour se lève, et bientôt, la nuit s'abattra une dernière fois sur ce monde. Tu n'as pas idée des ténèbres que tu as libérées. Zoloth va noyer ce monde dans un bain de sang. Tu en fais vraiment des tonnes. Y a sûrement un moyen d'arranger ça. Zoloth doit être emprisonné dans le miroir et retrouver sa place avant le lever du jour. C'est le seul moyen de l'arrêter. Recule! Ce n'est pas à une femme de faire ça. Tu ferais peut-être mieux de reculer, à moins que tu n'aies envie de dire adieu à ta jupette. Éloigne-toi de cette porte ou cette bombe ne va pas se contenter de froisser ton ego. Ça, c'est ma magie à moi. Tu en poses une et tu files te planquer. Bien sympa cette cinématique. Attends, on découvre les contrôles en même temps que vous, hein. Voilà, on a même comment pas fait ça de marche. Tutoriel. À la one again. D'accord. Ah ok, donc là... Ah j'adore. Ok. Ah je l'en délance. Est-ce qu'il y a des munitions? Non, c'est à l'infini. Ok. C'est quoi ça ce que j'ai fait? Ah, je crois que j'ai mis quelque chose là par terre. Ok, c'est cool. Je crois que j'en mets devant la porte. Au niveau de difficulté du jeu, j'ai entendu dire qu'il était extrêmement dur. Bon, au début, je pense pas, hein. Il y a pas mal d'objets cachés, on va essayer de... On peut casser les caisses? Non. Ah, on peut sauter, c'est A. On va regarder ce qu'il y a en haut. Je sais pas si c'est tente. Y a rien d'intéressant. Ah, il y a des objets ici. Voilà. Je me demande à quoi ils servent les... Les objets. Ah, tu peux placer des C4 aussi. C'est quoi que tu ramasses là? C'est une espèce de cristaux.
Je sais pas vraiment à quoi ça va servir. Je pense que c'est du scoring, tout simplement. Ça va tout péter. Mais je pense qu'on a tout pris ici. Ouais. Oh, c'est cool ça. Allez, je peux plus monter. Ah si. Donc c'est basé sur plus sur la coopération. Ouais, c'est vraiment que sur de la les coop. Énigmes. On verra l'action surtout, je pense, hein, maintenant. Mais c'est vrai que graphiquement, pour un vieux jeu arcade, je crois qu'il est sorti en 2009, je crois qu'il est sorti, et je trouve qu'il claque quand même pour un jeu arcade sur... Tu peux laisser mon bouclier, tu crois? Attends, bouge pas. Oh, non. Ah, c'est excellent. Ah, c'est la vie technique. Bon, allez, je vais faire péter tout ça. Merde. Notre barre de vie. Je crois qu'il faut essayer de le mettre sur les systèmes sur les côtés, là, peut-être. Là. Bien joué, bien voilà, joué. J'avais raison. Bien joué. Alors. Oh, une bonne chose de faite. Une bonne chose de faite. On va tirer là, attends, merde, mais je trouve que la voix... Merci, c'est sympa. On est en coop, je sais pas si tu sais. Hein. Est-ce que je peux mettre sur tes attends. Trucs? Ah ouais, donc tu pourras m'aider plus tard à mettre... À chaque fois je me plante. Ouais. Je sais pas pour vous, attends, mais je trouve que la voix, c'est vraiment... On dirait vraiment la voix originale du film. Je peux mettre personne. Enfin, je sais pas si tu trouves les cinématiques et tout, on voit vraiment que c'est bien Lara Croft. Et on y va. On va déglinguer ouais, du bon, monde. Peut-être que tu me diras quand on retrouve dans Lara Croft. Oula. Je connais pas le mec. Utiliser pour... Ok. Ah, il nous explique seulement maintenant, quoi. Non, mais j'ai pas eu le temps de le voir. Marquer quoi? Mais en fait, il expliquait RT. Comment tirer. Ah, d'accord. Alors... Putain, mais c'est trop bien que je peux monter sous tes bazars. Hein. Oh! Eh bah... En fait, ouais, laisse-moi des trucs, hein. Moi je dois récupérer, je n'ai aucun. Ok, d'accord. Mais là, le truc rouge, je la récupère aussi. Hein. Oh, regarde, tu peux aller sur mes lances. Vas-y. Ah oui, c'est ce que tu dis tantôt. Allez, on y va. On fait le tour. C'est énorme. Attends. Vas-y. Il n'y a pas un succès. Vas-y, plus vite. Bon, il faudrait que tu... Ça, je visais aussi. Hein. Ouais, tiens. N'hésitez pas, hein. Franchement, il est gratuit et... Quand c'est gratuit, il faut pas. Là. Tu crois qu'il faut sauter au-dessus? Non, il faut ah, faire attends, péter. Attends, vas-y, pousse. Non, je pense qu'il faut faire péter. Merde. Bien joué. J'appuie deux fois sur Y d'affilée. Oui, pardon. Mais je pense pas que ça change quelque chose. Hein. Ah, attends, j'ai une idée, bouge pas. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais faire. Ouais, le bouclier. Attends, moi j'ai pas de bouclier. Donc c'est ah, toi qui dois. Hé, j'ai un crapin. Mais ici. je te tiens. Viens ici. Vas-y, attends. Vas-y, attends, je suis. Concentration. Ouh. Énorme. Attends. Passe pas. Ouais, ouais, je serais fou pour passer quand même. Allez, vas-y, go. Ouais. Ah, j'adore la concentration. Vas-y, je suis. Je suis pas ton chien, mec. Ah. Passé dans cette prison, je vais me baigner dans ton sang. Il est pas beau. On va essayer de faire où des. Est-ce qu'il est attaqué de mi? Vas-y. Oh non, mais je vois pas si. Comment on fait pour. Ah, les ennemis sont bien résistants. Hein. Y'a rien de, des objets cachés. Alors, voyons voir ce qu'il y a au-dessus. Je vais te laisser un petit peu d'argent. On va voir ici. Non, c'est bon, bah on y va, hein. On fait péter la porte. Non, mais y'a pas besoin. Ok. Non, c'est moi, j'ai pété. C'est oula. Quoi ça? Vas-y, passe. Ah, mais y'a crâne ah, rouge là, je prends le crâne rouge. Prends les cristaux avant. Les 4 cristaux, tu les vois? Ouais, y'en a en bas. Ouais, ça on l'a découvert aussi. C'est pour monter en haut. Et moi avec mon grappin, je suppose... Tu les as pas pris ici, les cristaux, là? Oh, prends-les, c'est pas grave. Si bien, on est là pour faire la campagne et on se prend pas vraiment la tête. Vas-y. Vas-y. Ouh, quelle coopération. Ah, après, il faudrait que tu me présentes ça... avec ton grappin. Ouais, vas-y. Allez, vas-y, tu peux y arriver. Ah, ben, non, là, je peux pas. Vas-y. On y est. Ah, trop bien. J'adore.
Ah, ça sent. J'ai l'impression que cet hôtel hôtel de santé. Ouais. D'accord, sympa. On pète tout. Nous sommes des racailles. Ici, encore un bail. Ah, c'est vraiment joli. Je sais pas, je me répète, mais. Ouh, toi, il fallait pas le coup. Je pense que ton arme est bien puissante contre eux. Retourne en j'ai enfer. J'ai l'impression de one shot avec les lances. Hein. Ouais, ouais. Presque. Enfin, deux lances, je pense. Là, le mec, il marchait encore une lance. Et du people en bas. Ouais, okay. il explique trop vite. Ah, pas le temps. Ouais, mais je pense que le premier niveau, c'est moi, un petit peu. Je te laisse faire la ménage. Tous les premiers niveaux, c'est un petit peu le. En fait, ça va trop vite. Putain, mais je l'ai bousillé, c'est quoi d'ailleurs? Est-ce que je peux casser avec les flingues? Non. Attends, je casse, y'a rien. Là, ici derrière, on peut deux. Passer. Attends. Non, c'est fermé. Ok, bon, je mets un grappin. Ah, il l'a dit. Il est. Attends, un grappin. Je suis perdu. Je suis où là? Et où là? Ok, merde. Ouais, t'es tombé. Vas-y. Ouais, le truc là-bas. Ah, bouge pas, bouge pas. Ouais, vas-y. C'est quand tu veux, ok. Non. Vas-y, reprends. Ouais, vas-y, bouge pas. Non. C'est bon, je t'ai pas lâché. Ouais, laisse tomber. Siou. Vas-y, remets. Voilà. Il y a un crâne en plus. En fait, c'était pour prendre le crâne, je pense. Et activer la porte. Yeah. Ah, donc il faut chercher des crânes. Il y en a 10 dans ce niveau-là. Ouais. Dans ce cristal. Allez, saute! Aïe! Putain, on perd de la vie quand il y a des dégâts de chute. Il n'y a pas une touche pour courir? Non? Non, bon, sinon on avance déjà assez rapidement comme ça. On court assez vite, je trouve. Ouais. C'est juste histoire de voir. Tu crois qu'on aura d'autres rames pour plus tard? Ouh, il y a du monde. Merde! Je me suis. C'est quoi cette. J'ai oublié la touche! C'est quoi déjà? La gâchette droite. Voilà. Ah, il y a trop. Ouais. Ah, tu bousilles à peine tout le monde. Mais c'est quoi le truc là en bas? Toi, il y a ça un va dragon. Trop vite. Il y a une espèce de dragon en bas. Au début, c'est normal, c'est l'introduction. Toi, il y a un dragon là qui clignote sûrement en bas. Je sais pas ce que c'est. Attends, appuie sur. Il nous l'expliquera plus tard. Je monte en d'accord, haut. Donc c'est toi. Non, qu'est-ce que tu passes? T'es reparti avant. Ah merde, c'était par là qu'on était passé, j'ai pas vu. Ah ouais, gare, je dois faire ça maintenant. Tu dois passer et moi je dois te chier dessus. What? Ça te fait. Ça fait bugger le jeu. Voilà. Ah c'est bon. Ah toi, Joy. Ah bah c'est bon. Mais. Une trousse de soins, c'est quoi ça? Et se relève après la lance. Allez, meurs. Ah mais je t'aurais dû la laisser, t'en as plus besoin que moi, je pense. Alors, ah, t'en fameux truc là. Sur les, je sais pas quoi. Et j'ai pas le temps de lire. Ah ok, ça remet les trucs, vas-y, attends. Ouais. Attends, parce que... Attends. Non, vas-y, viens. Non, ok. D'accord, bien joué. Ah, il y a un là. Qu'est-ce qu'elle fait là? On va voir. Alors attends, si. T'en as un là. Vas-y, saute sur celui-là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il est trop. Ah, j'ai un viseur! Ah oui, je vois ton viseur là. Je peux savoir où je peux tirer? Essaye de mettre des lances bien droites parce qu'en inclinaison là ça va pas. Attends. Ouais, genre ça. Là, ouais, une scie là où tu vises. Voilà, c'est parfait. Ok. Ah, c'est bon, après t'as juste à bouger. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Tu glisses. Comment tu fais pour lâcher? B? Ah ouais. Voilà, c'est bon. Je vais te prendre avec mon grappin. Descends, je vais avec ton grappin. Ah ouais, peut-être, attends. Ouh, rattrapage. Ouh. Oh! Ah merde, t'es trop lourd. Ça se pète. Trop gros. Vas-y, relance. Ouais, mais là, je peux pas. Il faut que tu remontes en haut et que tu sautes et que je te prends en plein vol, en fait, je pense. Oh, d'accord. C'est bon? Allez. Ah, il y a une flèche d'or. Attends, mets-le. Voilà, vas-y. Ces
Ces artefacts étaient autrefois utilisés par les guerriers pour améliorer leurs compétences au combat. Ouh. Ah, ça peut. Oula. C'est quoi l'artefact? Artefact, ah oui, on peut mettre des artefacts. Là, on va mettre notre truc là, c'est quoi? Bah, y'en a pas. Si, si, tu sélectionnes avec A. Ah, c'est ce que j'ai fait, moi j'ai rien. Ah, mais c'est peut-être une artefact pour moi en fait. Flèche ah, d'argile. Ouais, c'est flèche d'argile. Logiquement, ouais, tu d'un côté. Ah non, c'est bon, je l'ai. Ouais. Mais tu as plus. Tes dégâts, tes armes elles font plus de dégâts, mais c'est tu as moins de défense. Plus d'A. Plus moins de défense, mais mieux en armes. Ouais, je vais le prendre quand même au cas où. Après, on pourrait équiper des armes aussi, je crois. Ouais, je vois ça. Je vois ça. C'est là, on a la lance, tout à l'heure, les deux flingues. Bon, on va. Ouais, pas mal. Ah, t'avais mis en pause. Oh, il y a des petits. Ouais, il y a des sous. Attends, je vais prendre ça, j'ai pas encore pris. Ouais, faut que tu te tires. Ah, c'est pas sexy une femme qui fait ça. Voilà. Allez, sors. Vite, vite, vite. Sors. Ouais, c'est ça. Vas-y, prends parce que toi t'as plus besoin. Ah, mais on s'est pour tous les deux ça, c'est une station. Y'a des chaînes là-bas, y'a. Deux boutons, je crois. Deux plateformes ici, faut aller dessus. À deux. Je crois que on t'entend avec Kinect maintenant. Pas connu. Attends, y'a peut-être une échelle avant deux jours. Apple, on t'entend avec Kinect là. Je sais pas si tu m'entends, mais on t'entend avec Kinect. Donc les amis, on est arrivé au terme de ce premier épisode. J'espère que ça vous a fait plaisir. Mais on t'entend avec Kinect, hein, problème technique, c'est bien, on est déjà à 15 minutes. On va essayer de... Ah, j'ai compris. Faut descendre les boules et faut les mettre sur les plateformes. Non, on n'apprend pas. Non. Bon les amis, il est déjà à 15 minutes pile. Je vais vous laisser et on se retrouve dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine!